pouvoir mieux consommer son énergie et observer sa consommation en direct. Une utopie plus à la Société immobilière du Bas-Rhin. Depuis la mise en route de la chaufferie à granulés de bois de Laméno, il y a tout juste un an, un système de pilotage à distance y a été installé. Objectif, observer tout dysfonctionnement pour pouvoir intervenir au plus vite. Un dispositif exemplaire qui fait ses preuves, puisque la CIBAR permet aujourd'hui à un certain nombre de ses locataires de suivre leur consommation énergétique en direct. Un système de chauffage nouvelle génération installé depuis peu sur plusieurs site barinois. Nous sommes donc situés à Vasselonne où nous avons une chaufferie collective pour alimenter à terme 32 logements. C'est une chaufferie avec une cascade de deux chaudières qui vont donc travailler en alternance ou les deux en même temps pour pouvoir réguler correctement la puissance. On va chauffer tout simplement de l'eau qui va circuler jusqu'au logement pour faire dans le logement et de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Alors cette installation est pilotée et supervisée à distance depuis n'importe quel endroit dans le monde par un accès informatique. En fonction de son ressenti, chaque locataire peut faire varier la température de son logement grâce au robinet thermostatique de ses radiateurs. Des informations qui seront transmises à la CIBAR grâce à des sondes d'ambiance installées dans les logements. Ces sondes sont reliées à un boîtier central dans la chaufferie qui transmet toutes les informations au serveur informatique de la CIBAR. Le but d'une supervision et d'un pilotage, c'est tout simplement de pouvoir allumer, éteindre, contrôler le bon fonctionnement d'une chaudière à distance. On pourra vérifier la température de l'eau, on pourra vérifier le bon fonctionnement de la chaudière, on pourra tout simplement vérifier que dans temps et temps d'heure, il faut vider le cendrier. Et le locataire pourra à terme visualiser sa consommation depuis un smartphone ou depuis un écran d'ordinateur. La CIBAR, un logiciel innovant, rassemble et traite toutes ces informations. Chaque chaudière, mais aussi chaque logement équipé de ce nouveau dispositif sont soigneusement répertoriés. Des historiques, mais aussi des graphiques de consommation en direct sont modélisés. Une façon pour la CIBAR de rendre les locataires plus attentifs à leur consommation et leur budget énergétique. L'objectif principal, c'est de la maîtrise de la consommation d'énergie. Quand je pilote à distance, j'ai la possibilité d'adapter le régime de la chaufferie aux conditions climatiques extérieures et de moduler les puissances qui sont délivrées et du coup les consommations. Deuxième objectif, c'est de fournir une meilleure qualité de service aux locataires. S'il y a un dysfonctionnement sur la chaudière, je peux les détecter à distance et agir dessus avant même que le locataire ne s'en aperçoive. Nous pouvons visualiser des courbes de température ambiantes dans le logement, les consommations d'énergie. Et au niveau de la chaufferie, je peux observer la pression dans les pompes, je peux observer les températures de départ, les puissances délivrées par des chaudières et la température de retour. Avec un recul de près d'un an grâce à la chaufferie de Laméno et de plusieurs mois sur les derniers sites équipés, la CIBAR se veut avant-gardiste en matière de pilotage à distance de ses chaufferies sur le territoire. Le plus gros du travail reste encore à faire autour de l'éducation des locataires à l'économie d'énergie. L'intérêt, c'est d'y aller le plus loin possible, même au-delà des exigences réglementaires en matière de vertuosité en consommation d'énergie et de maîtriser au maximum les consommations d'énergie. Par ce système, nous espérons parvenir dans un futur très proche à inciter les locataires à adapter les appels de charge aux consommations réelles du locataire et de cette façon inciter les locataires à être à leur tour vertueux en matière de consommation d'énergie. À terme, la Société immobilière du Bas-Rhin souhaite équiper l'ensemble de son parc immobilier avec ce dispositif innovant.